Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Surgeon Simulator. Donc aujourd'hui on va faire une greffe dedans, ça m'a l'air plutôt pas mal. Lieu chirurgie, je l'ai vu avec un marteau. Le gars portait un marteau, il allait casser des dents avec un marteau. On peut dire que du coup, il était marteau. Merci, merci, merci. Donc, réaliser une greffe dedans. Oui mais attends, le masque c'est pareil, là je fais comment pour l'enlever? Ciseaux. Ciseaux, venez avec moi les ciseaux. Allez hop. Combien je vous parie que ça va s'enlever aux ciseaux? Je vous le parie mais genre je vous parie la fin de la vidéo que ça va se finir genre que je vais y arriver avec les ciseaux. J'en étais sûr les amis, j'en étais sûr. Alors donc là on va y aller de l'autre côté. Allez. Ah, je le fais saigner de la joue juste pour lui enlever son masque. Yes. Ok, donc avec quoi on lui enlève ses dents? Là on a des... Oh mon dieu, il y a les outils de chirurgie et il y a le marteau. Qu'est-ce que je prends? Marteau, outil de dentiste. Marteau, outil de dentiste. Marteau, outil de dentiste. Marteau, outil de dentiste. Perceuse. Ouais, la perceuse c'est pas mal. Hein. Franchement, en pleine opération, c'est pas trop le bruit que j'ai envie d'entendre quand je me fais opérer des dents. Alors voyons voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que vous allez bien monsieur? Monsieur? Monsieur, alors dites-moi comment ça se déroule votre... J'ai même pas réussi à enlever qu'une seule, même pas une seule dent. Allez. Ah si, ça y est, j'ai réussi à en enlever quelques-unes. Oh mon dieu, la perceuse qui tombe. Bon, et bah... On va dire que j'ai réussi à retirer quelques dents. Hein, je l'ai tué en 1 minute et 16 secondes. C'est pas mal. Mais par contre, c'était pas si bien. Parce que bah quand même, je l'ai tué. Ah non, 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 le ciseau, tu ne tombes pas, j'ai besoin de... Ok, il y a un ciseau là-bas, mais il est mal... Oh! Ok, vas-y, viens. Mais non, viens, mais viens pas. Vas-y, tombe. Ok, le ciseau est bien tombé. Yes, hop. Donc, on va essayer d'y aller sans lui faire trop mal cette fois-ci. Tac, oh là là, sans lui faire trop mal, hein. J'ai dit, allez. Yes! Avec seulement 2 ml de sang de perte. Ok, et donc là, on va essayer encore une fois. Allez. J'y arriverai point. Allez. Allez, yes. Ok, donc on va y aller au martelet. Martelet, c'est ça? Un petit marteau, c'est un martelet. J'en ai aucune idée. Alors, on va essayer de retirer quelques dents. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec la perceuse. Serrer les dents. C'est trop drôle. Alors, est-ce que j'ai bien retiré toutes les dents? Attendez, on va lui secouer la tête hein, pour savoir. Allez, hop, ok, c'est bon, j'ai retiré toutes les dents. Attendez, juste, je vais lui prendre la tête. Lui prendre la tête. Ok, merci. Ok, je vais juste secouer la tête pour bien retirer toutes les dents dans sa bouche. Je fais des trucs de chirurgien. Oh, c'est n'importe quoi, les amis. À chaque truc que je fais, il y a un succès. Et donc là, les dents, elles sont là, c'est ça? Ok, donc là nous avons des incisives. Ici nous avons des canines. Et je suppose que là on a des molaires. Ok, ok, bon j'ai pas très bien réussi à enlever. Oh attendez, il y a des pilules les amis. J'ai tellement envie de faire ce que je vais faire. Allez, on va lui mettre quelques pilules dans la bouche. Ça va l'aider à se rétablir, vous verrez. Bon par contre ça veut pas très bien se mettre. Ok, les pilules sont tombées. Ça ne servait à rien. Quand... Je pense que l'outil, où est-ce qu'il est? Ouais, cet outil là. Là. Cet outil là, là. Yep. Ok, ça va nous réussir. On va y arriver. On va les prendre. On va commencer par les. Oh, je me suis piqué. Oh non. Ok, je lui ai pris une incisive. C'est pas très grave. On va lui mettre dans la bouche. Allez, je lui ai mis une dent. Ok, on va faire une molaire. Là. Molaire. Ok, j'ai réussi à mettre une molaire. Ok, on va essayer. Ouais! Une. J'ai mis une molaire à la place d'un. Ok, moi qui m'y connais un tout petit peu en dents, je peux dire que là, où est-ce que je lui mets. Oh, je lui ai mis une molaire. Ah, à la place des incisives. Ah, 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 mon dieu. Mais imaginez-vous la personne. Une molaire là. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mon dieu, les amis, imaginez. Et je lui ai mis. Oh là, mais c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, les amis, je vais lui mettre que des molaires. Mais attendez, regardez où j'ai passé la molaire là. C'est n'importe quoi. Oh là, oh là, oh là, je suis coincé dans le patient là, c'est pas très bien. Ok, là la molaire je l'ai bien mise. Mais où est-ce que je lui ai mis l'autre molaire là?
Oh là là. Ok. Oh, j'ai du mal à lui rentrer. Allez, rentre, s'il te plaît. Oh non, j'ai fait tomber la dent. Par contre, je vais devoir lui mettre combien de dents? Je vais devoir tout lui mettre? Dans ce cas, j'aurais dû le piquer. Pour... Oh non, ma dent, elle s'est envolée. J'aurais dû le piquer. Mais là, si jamais je lâche mon objet, j'ai beaucoup... j'ai trop peur de ne pas pouvoir le récupérer. Ok, donc là, on va essayer... Oh là là. Ok, j'ai réussi à lui mettre la dent. Oh là là, oh, je suis désolé. Je sais pas ce que tu t'es pris dans le fond, ça doit être le marteau. Non, je veux pas que tu fermes la bouche, au contraire. Laisse-la ouverte. Oh là là, j'ai encore fait tomber la dent. Honte sur moi, quel mauvais chirurgien suis-je. Oh mon dieu, mais les effets de la drogue sont tellement réalistes. Ok, pardon. Allez. Oh yes, je lui ai mis une molaire là où il faut pas. Ouais, je lui ai encore mis une molaire là où il faut pas. Je n'arrive pas à lui mettre des canines et des... Oh, j'ai encore fait tomber là-dedans, quoi. Quel mauvais chirurgien suis-je? Oh, mon dieu. Oh, non, il s'est encore pris le marteau. Yes! Yes! Faites-moi confiance, je ne suis pas dentiste. 7. Avec, il lui restait beaucoup de sang, quand même. Hein. Durée de l'opération, quand même, 4 minutes 30. C'était pas très, très bien. Donc, bah, j'espère que vous êtes fiers de moi, les amis. Donc, c'est le cas. Lâchez un like. Faites-moi confiance. Je ne suis pas dentiste. Oh mon dieu. Mais je lui ai mis des molaires, mais... Mais n'importe où, quoi. Oh, c'était... C'était pas très très bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme succès, les amis? Bûcheron. Retirer les yeux à l'aide de la hache chirurgicale. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que ça va donner? J'ai très peur, les amis. Ah! On a débloqué le couloir. D'accord, je sais pas ce qui change, mais en tout cas... Ah, il faut refaire toutes les opérations pour débloquer l'ambulance et ensuite les étoiles. D'accord, donc on va essayer de retirer les yeux avec la chirurgicale. Je suis pas sûr que ça donne un résultat des plus convaincants. Mais on va dire que qui tente rien n'a rien. Je ne sais point quoi dire. Donc bah c'est parti. Oui, la hache chirurgicale. La hache, elle est... Ah, elle est où la hache? Chirurgicale. Hop, oh là là, comment les piqûres sont tombées. Ok, donc on va essayer de retirer les yeux. Oh là là, mais ça fonctionne pas du tout, les amis. Oh là là, mais ça fonctionne pas du tout. Allez. Oh là là, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas du tout. Allez. Ou alors, est-ce que ça veut dire juste couper les... ce qui retient à la hache chirurgicale? Bon, j'en ai aucune idée, moi je continue. Mon boucheronnage. Je vais pas essayer de lui couper la tête. Non, ça ne fonctionne pas malheureusement. Non. Non, vache. Ok, les amis. Donc là, j'ai essayé de retirer l'œil. J'ai... Oh non, je me suis encore piqué. Oh là là, la drogue. Franchement, les amis, ne prenez pas de drogue. Ok, donc là, il y a l'œil qui pend. Et je vais réussir normalement à le retirer à la hache. J'ai pas eu le succès. Bon, je vais essayer de retirer le second œil. Peut-être que si jamais je retire le second œil à la hache aussi, ça va peut-être fonctionner. Oh. Succès obtenu, bûcheron. Ah d'accord, il fallait couper un seul œil à la hache et couper les deux yeux. Donc bon, vu qu'on a eu le succès, pas besoin de finir l'opération. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Donc, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher un like, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Donc voilà, salut tout le monde!